Et nous voilà de retour pour continuer notre aventure sur God of War Ragnarok. Salut tout le monde, c'est Corbel, j'espère que vous allez bien. Et du coup, j'allais dire aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre let's play sur God of War Ragnarok, mais je viens de le dire, donc c'est un doublon qui est tout de même passé au montage. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et continuons tout simplement notre let's play. Et pour fêter cela, Starliven vient d'arriver dans le chat. Et du coup, ça fait trop plaisir parce que ça fait super longtemps que je l'ai pas vu. Salut à toi, Starliven, ça fait trop plaisir de te voir dans le chat. Installe-toi bien, prends-toi un petit café, prends-toi un petit chocolat chaud, installe-toi avec nous, ça fait trop plaisir de t'avoir dans le chat depuis le temps. J'espère que tu vas bien. Et qui nous dit salut Corbel, ça date, MDR, ça va. Écoute, ça va super, on continue God of War. Et ça fait trop plaisir. Putain, il y a tout le monde qui est de retour. Comment ça se fait? Ok, tout le monde est de retour. Starliven qui dit je suis plus aussi actif qu'avant. Mais il n'y a pas de souci, ça fait d'autant plus plaisir de te voir après tout ce temps. Oui, c'est Yes. bon, vous inquiétez Ah, pas. cette gueule ridée, petit, appartient à Elka. C'est une Blue Thunder. Elle a un don pour suivre une piste. Oh, tu vas l'adorer. Starliven qui dit enfin le bac bientôt, mes efforts vont finir par payer. Ah putain, on est à fond avec toi, franchement, force à toi. Et puis, je suis sûr que tu vas y arriver, t'inquiète. Kratos, Atreus, ainsi cette éclipse était de votre fait. Merci d'être venu. Bigvir en a profité pour s'enfuir. Et ton frère? Nous savons désormais où ils le retiennent. Bayla a déjà préparé les explosifs. Si vous voulez bien m'aider, nous partirons dès que vous serez prêts. Yeah. L'aide d'un autre métamorphe est bienvenue. Va avec lui, Atreus. J'aiderai Freya. Oui, père. Ah bah oui, c'est vrai qu'Atreus est métamorphe. La mèche ne laisse que 30 battements de cœur. Ça suffira. Comment ça Ah! Le signal. Voilà notre couple d'elfes. Ah mais elle est toute Viens, seule! Kratos. Partons sans tarder. Il est où ton mari? Je vous aimais bien. Ah oh, putain, c'est ça les explosifs? Ah, oh, elle a préparé des bombes et tout. Tu vas bien? Bon. Et vous parlez de quoi? Vous n'avez encore jamais vu d'éclipse à Valhalla. Oui, c'est arrivé comme ça quand on a libéré la lune. J'en ai vu des choses bizarres. Mais une lune dans une boîte, c'est encore autre chose. Brock, t'es là? Ah, oh, ils sont les deux là. Ah non! C'est elle. Amis. C'est vrai que c'est elle qui est là. Enchantement d'amulette. Force, défense, vitalité. Renouvellement. Et ça, c'est quoi? Pouvoir unique, renouvellement, chance. Ah, franchement, je pense que c'est mieux que je la mette celle-là, hein. Franchement, elle est cool, elle a plein de trucs. Allez, on va la remplacer. Tac. Oh, tiens, c'est ton petit gars. Il est mignon à croquer. T'aurais dû le voir il y a 2 hivers. Il est même plus à hauteur d'yeux. Oh, arrête. J'ai rien contre un petit homme qui pousse. Oh là là, mais ferme-la. Insupportable. Celle-là, elle faisait quoi déjà? Ah oui. Ah oui. Franchement, celle-là, elle était pas mal aussi, mais... Putain, mais regardez-moi tout ce qu'elle donne, celle-là, c'est incroyable. Non, non, franchement, c'est clairement la meilleure. C'est clairement le meilleur manche pour la hache. Ah, je peux améliorer les Bon lames. sang, se prendre ça dans la couenne, ça doit faire mal. Saisir un ennemi étourdi, confère un don de force. Augmente les dégâts d'attaque runique des lames quand la jauge d'immolation est pleine. Pou, pou, pou.
Ah, ça, c'est pas mal, ça. Force défense. Force vitalité. Bon. Écoutez. On va garder celle-là pour l'instant. Maintenant, passons à la déesse. On avait débloqué celui-là quand on avait battu le berserker, là. Et ça donne plein de trucs, honnêtement. Regardez en haut, ça donne plein de trucs. Et elle a la classe, putain. Elle a la classe. Mais, utilisation d'une relique augmente énormément les dégâts infligés par les attaques au corps à corps de Kratos, mais aussi les dégâts subis pendant un certain temps. Franchement... Franchement, je sais pas. Bah, celle-là, chance modérée à chaque utilisation d'une attaque runique ou d'une relique de restaurer immédiatement 70% de son renouvellement. Franchement, putain. En plus, je l'ai vendue celle-là à la fin de l'épisode précédent. Vous savez, j'ai re-regardé la fin de l'épisode précédent rapidement avant de me relancer dans mon let's play aujourd'hui là, et je me dis putain, mais je l'ai revendue celle-là sans vraiment réfléchir. Ah, ça change les stats, ok. Donc là, on voit ce qui serait mieux, parce que là, on a force, défense. Qu'est-ce qui serait moins bien? C'est la défense, parce que là, la défense, elle est à 68, là, elle sera à 27. Putain, c'est vrai que ça ferait un gros écart. Et la chance à 41 au lieu de 61. Par contre, le reste, 68 au lieu de 54... Vitalité. Ouais. Ah ouais, c'est quand même violent, hein. Après, ça demande des cristals purifiés et des vestiges trempés. Je sais pas ce que c'est, ça. Je sais pas ce que c'est. Parce que là... Franchement, ça vaudrait la peine si je pouvais le crafter au niveau 8. Mais là, ça... 54, 52... 68, 21... Putain, à la défense, ça fait mal, hein. Runique, 20, 31... Chance... 61, 31... Putain. Ah ouais, défense et chance, ça fait mal, hein. Défense et chance, ça fait putain de mal. Bon, écoutez, pour l'instant, on reconsidérera peut-être notre choix si on peut la crafter au niveau 8, mais pour l'instant, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. Maxime qui dit, pour parler un peu de la fondation... SCP, je connais des rapports et comptes que je pense que tu vas aimer. Bah écoute, soit va les mettre dans les commentaires YouTube de la Fondation, enfin des vidéos de la Fondation SCP, soit tu pourras m'en parler lorsqu'on fera une exploration SCP. Et PaySpace qui vient d'arriver sur le chat, ça fait plaisir de te voir là. Comment vas-tu? Installe-toi bien. Et qui nous dit, bonsoir, go la bagarre, putain, à fond dans les statistiques pour être le plus pété possible. Évidemment, évidemment. Mais ouais, du coup... Si on trouve des vestiges trempés là pour atteindre le niveau 8, on va reconsidérer notre choix, mais pour l'instant, gardons celui-là, je pense que c'est clairement le mieux. Ensuite là, faire des coups critiques qui font des dégâts d'explosion à 8%, c'est clairement le meilleur, donc on va le garder pour l'instant. C'est ce qui me fait le plus kiffer. Et puis on n'a pas encore de quoi les améliorer. Et du coup, la pierre du berserker qui nous remplit toute notre rage, on l'a, donc c'est tout bon. Ok, bon bah on est bien comme ça. Donc, on est prêt à partir ou comment?
crois que oui. Oh, il y a lui, là. Avec son porc. Comment va Birger ? Enfin, son... Il se repose. Enfin, son chien. Son chien porc. Te reste-t-il quelque chose à faire avant que nous allions libérer Freyr ? Juste ça. Ça m'affûte l'esprit. Ok. Bah écoute, fais donc, hein. Les loups nous ont donné un sceptre. Ils répondront si nous les appelons. Bien. Il existe un raccourci pour atteindre le temple de Njord de jour. Les Aineria retiennent Freyr dans le temple de ton père. Dans mon souvenir, il a toujours été vide. Il y a un hôtel céleste de l'autre côté de la rivière. Selon Bigvir, les hôtels servaient autrefois à appeler les loups. Et nous avons maintenant le sceptre qui nous permet de le faire. Ah, c'est ouvert maintenant ici. Une fois au temple, j'enverrai à Beyla et Birgir un signal pour qu'ils lancent leur diversion. La colonie. Il sera bon de ne pas en faire les frais pour une fois. Nous profiterons de leur distraction pour prendre à revers la force principale. Pendant qu'Atreus et Hildis Vini se faufileront pour libérer ton frère. Oui. Et lorsque nous verrons leur signal, nous nous retrouverons sur la rive pour fuir à bord du bateau de Freyr. D'accord, c'est un bon plan. Qu'est-ce qui se passe là ? Calmez-vous, mesdames et messieurs. Procédons ainsi. Ça paraît être un bon plan, Freya. Prisonnier au nord. Suis Freya, mon frère. Oh putain, désolé. Je savais pas qu'on était plus libre de faire ce qu'on voulait maintenant. C'est pas possible, ça. Ah. Salut, toi. Bonjour. Bonjour mesdames et messieurs. Ok. Bon toi, tu vas subir ma nouvelle attaque. Oh c'est beau, oh c'est incroyable. Je kiffe. Ennemi, derrière toi. Oh, ça l'a buté. Toi aussi tu vas crever comme ça. Allez, tombe. Il va tomber. Oh oui. Oh putain, les pauvres. Dégage, t'es pas le bienvenu. Il est où ?
Ah là. Ah, t'es là. Viens là, mon pote. Ils ont rallié plus de soldats depuis la dernière fois. Nous sommes trop désavantagés. Cette Noken soigne ses alliés. T'inquiète plus pour longtemps. Voilà, c'est fini. Ah merde, y'en a une autre. Elle est où l'autre? Ah, là, c'est bloqué. Ok, on doit passer par là. Putain, n'empêche, c'est la première fois qu'ils nous interdisent de passer par un passage, là, comme il l'a fait Mimir avant. C'est con. J'essaie de faire glisser le sceptre dans la cloche plusieurs fois. Ok, qu'est-ce que ça a fait? Ça a amené la journée? On peut contrôler le temps? Nos actes dans ce royaume sont ceux de la prophétie des géants. Atreus croit le Ragnarok inévitable. Les normes ont été très claires quant à la nature de la prophétie. Elles nous ont dit que la somme de nos choix était prévisible. Mais nous avons changé. N'ai-je pas raison? Peut-être. Oh, ça claque, hein. Ça claque. Bon, je lis d'abord ça, puis ensuite je vous pète la gueule. Allez, est-ce que je peux le faire tomber, lui? Ah, merde. Attention, il est couvert de vitraux. Oh. Putain, il m'a fait mal, lui. Attends, voir. Je vais te montrer. Voilà, j'espère que t'as bien vu. La décapitation. Et la tête qui glisse jusqu'en dessous du tronc. Rien ne laissait croire que tu prendrais cette décision. Et toi, cherches-tu toujours le Ragnarok? Odin a de nombreux comptes à rendre. Si la prophétie de Groa se réalise, peut-être mon royaume connaîtra-t-il enfin la paix. Et peut-être que moi aussi. Pardonnez à cette pauvre tête portative, mais ne venons-nous pas d'établir que les prophéties ne sont qu'un tas de sottises? Oh, par les dieux, Mimir. Quoi? Tu es l'homme le plus agaçant qui soit. Là, il y a un autre hôtel là. Ah, ok. Ah.
Attendez, attendez, je suis en train de me perdre là. En voilà d'autres. Non, c'est pas. Ah, mais c'est par là que je dois aller. Ok, attendez. Attendez, 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 attendez. Je me perds, je me perds. Ah, là, je suis déjà allé. Ok. Là, je peux aussi faire un truc ou bien? Ah, mais non, c'est pas un hôtel. Ok. On est. Attention, frère, découvert. Allez, vas-y. Allez, mange. C'est tous des lieux qu'on a déjà visités en fait. Ah, mais on retourne là où on avait fight le Nidog ou bien je me trompe? Lui? Lui c'est un coriace? Ok. Je te prends au mot, hein. Oh, t'inquiète, hein, j'ai vécu pire. Ouais, franchement, il a pas l'air si horrible, hein. Allez, c'est fini. Oh, attendez. Rage spartiate. La bravoure régénère moins de santé, mais offre un puissant bonus temporaire de force et de vol de vie. Attendez, là... La bravoure, c'est lequel? Ah ouais, mais la bravoure, j'utilise pas du tout. La bravoure, ça n'a jamais été mon truc. Je n'ai jamais été un homme brave. Bon ben, écoute, le mal alpha, faut croire que c'est devenu moi, hein. Ah, le voilà, le Nidog. Hélas. Enfin, ce qu'il en reste. C'était un obstacle. Oh, je n'en doute pas. C'est étrange, toutefois. Que faisait-elle ici? Odin s'est servi de racine de l'arbre monde dans le sort qui m'empêchait de quitter Midgard. Nithog protège ses racines, où qu'elles se trouvent. Ah, oui, non, mais ça, on avait bien compris. Hein. Et elle en a malheureusement payé le prix. Cette type ah, mais oui.
Mais c'est vrai qu'il nous avait pas accompagné, Mimir, en fait. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire là? Ah, on doit aller là. Ah, d'accord. Ok. Putain, on se croirait dans Tomb Raider. Ou dans Uncharted au choix. Dépend si vous préférez la version masculine ou féminine. Contente toi de faire beaucoup de bruit lorsque nous lancerons l'assaut. Si nous les distrayons assez longtemps, Eldisvini et Atreus pourront entrer et ressortir sans qu'on les voie. Je ne m'inquiète pas pour Atreus. Il est prêt à se battre seul. Ah, c'est vrai que là, maintenant, il est balèze. Nous y sommes. Il y a un hôtel derrière ces ronces. Donc maintenant, on va apprendre comment gérer ça, c'est ça? Ah! Ok. Tu voulais plutôt parler de ça. Donc peut-être... J'espère qu'on apprendra bientôt comment gérer ces barrières-là. Appelle Skoll, s'il te plaît. À vos ordres. Es-tu prêt? Oui. Et toi? Je ne partirai pas d'ici sans mon frère. Ah mais d'accord, c'est ça qui ouvre les barrières comme ça. Ok. D'accord. Bon bah peut-être qu'il y a un hôtel proche de l'entrée... l'entrée du royaume. Ah, le voilà. Oh, les imbéciles. Oh, voyez-vous ça, la reine du Gui en personne. Il la rend vraiment. Ça faisait longtemps. Emdal. Et toi, tu dois être le père du petit bâtard. C'est mon jour de chance. Tu as des comptes à rendre, mon lapin. Toi aussi, traître. Je préfère être un traître que le toutou d'Odin. Va. Ce fardeau est le mien. Je peux t'aider. Je sais. Mais tu es attendu ailleurs. Il a raison, tu sais. Les braises étaient encore tièdes lorsque je suis parti. Je sais que tu ne voulais pas de ça. Mais nous savons comment ça se terminera. À bientôt. Oh, nous savons tous les deux que c'est faux. Mais ne t'en fais pas, Frigg. Je viendrai pour toi et ton cher frère dès que j'en aurai terminé, ici. Ok. Alors, allons-y. Donc apparemment, c'est la lance qui est plus utile contre lui parce qu'on l'a quand même créée pour le buter, hein. Putain, mais regardez comment je lui fais mal! Mais c'est pas possible! Tu t'amuses bien? Très bien, juste toi et moi dans ce cas. Oh. Ah d'accord, c'était la barre de vie de son toutou en fait. Allez, viens là, l'ami. Tu fais un peu trop durer le plaisir. Ça paraît très mal. Ah mais je peux vraiment pas le toucher avec mes armes normales. Ok. Donc c'est vraiment avec la lance qu'il faut l'avoir. Hein. Non mais même pas. Attendez. Ah. Je
je sens ta frustration, tu sais. Oh putain. C'est extrêmement satisfaisant. Et maintenant, la lance est notre meilleure chance. Il a... Héritier des As. Hey, doucement! Tes brassards tout neufs! Hey, frère, tu n'as pas fait forger cette lance pour le plaisir! Oui, bah écoute... Je suis en train de travailler sur le sujet. Non. Putain. Reste tranquille, reste tranquille. Allez, mange! Mais comment ça se fait? Glissement de royaume d'Amdal. Bloquer ou esquiver les attaques lorsque le temps ralentit pour créer une ouverture. Ok. Oh! Oh putain! Mais je comprends pas! Comment ça se fait qu'on puisse lui faire mal? Agite-toi dans tous les sens. Oh, mais c'est une grosse colère, ça. Pacifique. Mais vas-y. Le temps ralentit, mais je ne peux pas bloquer. Il faut que je lui fasse mal. J'ai pas eu le temps de lire, en fait, le dernier petit bout du tuto. Ah voilà. Bloquer ou esquiver. Ah ok. Ok d'accord. C'est bon. Je ne saurais dire. J'ai compris. Ou contrarier. Esquive. Rien qu'une fois. Ok d'accord. J'ai compris comment ça marche. Tu sais, la douleur est moins terrible que dans mes souvenirs. Maintenant. Oula. Vraiment. Et voilà. Une armure digne d'un dieu. D'accord, c'est quand il fait une de ses attaques comme ça. Ok, j'ai compris. Allez, fais une attaque. Ah putain, je peux siphonner l'élément. Maintenant.
chance. Voilà ce que c'est. Ça va, arrête. Quoi? Que se passe-t-il dans cette toute petite tête? Oh non, 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 non! Tu comptes me laisser la vie sauve? Par pitié! Abandonne et tu vivras peut-être. C'est à propos de l'avorton? Oh, il va quand même pas faire péter son bras. De l'étriper. Oh! C'était le dernier avertissement. Je doute que les avertissements suffisent. Tu penses vraiment que tu vas pouvoir t'en tirer comme ça? Non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Tu n'es pas et tu ne seras jamais le maître de mon destin! Tu es mort, mon lapin. Ok. Tu te prends beaucoup trop au sérieux. Bouffe. Qui je suis? Je suis le veilleur des As, le héros du Ragnarok. Oh. Je vais trouver ah, merde. Un sale bâtard, mon fils. Je vais réduire son corps en plus. Bordel! Et je peux t'assurer que ce ne sera pas toi! Ça suffit! Comment as-tu Allez. M'épargner? Tu vas manger tes coups, putain! Je refuse de mourir contre une merde comme toi! Je commence à en avoir assez de toi! Et moi donc? Oh putain, mais c'est pas vrai! Mon frère! Mon frère! Arrête! Ne t'engage pas sur cette voie! Kratos, c'était vraiment... J'ignore si c'est nous qui brisons le destin ou si c'est le destin qui nous brise. Putain. Waouh. Déjà, au niveau mise en scène, je tiens à dire que ce combat a été incroyable. Ça, c'est une certitude. Ensuite, on est bien d'accord qu'il était censé nous tuer, selon la prophétie. Donc là, on sort de la prophétie, on est bien d'accord. Et d'une autre part, je vous avoue qu'il y a un truc que j'ai pas trop bien compris, c'est comment ça se fait qu'on a pu surpasser le pouvoir d'Heimdall grâce à la lance.
Parce que, je vous avoue, est-ce que c'est peut-être que, grâce au fait qu'on pouvait justement frapper notre lance au sol et qu'il y ait des explosions, ben évidemment, ils ne s'attendaient pas à ça, ou ils ne pouvaient pas le prévoir, ou son pouvoir ne pouvait pas le prévoir. Et du coup, ça le déstabilisait, et du coup, ben, au fur et à mesure que le combat avançait, ben, il était de plus en plus stressé et n'arrivait de plus en, enfin, de arriver de moins en moins à utiliser son pouvoir. Mais en tout cas, waouh, quoi. Vraiment, juste waouh. Et du coup, ben là, nous sommes hors du destin. Nous sommes hors du destin. Augmente les dégâts au corps à corps lors des glissements de royaume. Ça, je m'en fous. Ah, j'ai une nouvelle relique. Déformer le temps et l'espace en exécutant un glissement de royaume. Ah ouais, donc c'est vraiment genre... ouais. C'est en gros pour ralentir le temps, quoi. Franchement, ça peut être intéressant, hein. Ça peut être intéressant. Et du coup, ça veut dire que le... Ah voilà. Augmente les dégâts au corps à corps lors du glissement de royaume. Eh franchement, vous savez quoi? Allons-y. Allons-y. Faisons un bon combo. Lançons-nous dans le glissement de royaume et améliorons non seulement grâce à l'amulette le glissement de royaume, mais en plus prenons-nous le glissement de royaume. Franchement, ça peut être cool. Faisons nôtre le pouvoir. Faisons nôtre le pouvoir d'Heimdall. Et Maxime qui a récupéré un reste hydraté. Merci beaucoup Maxime, je bois une gorgée à ta santé. Puis il a directement acheté une petite sucrerie après. Donc je mange une petite fraise à ta santé. Enfin, à ta santé. Alors, Atreus, tu vas bien? Ah! Petit coup de main? Au moins, le Voilà. sauvetage se passe bien. Super. Non, ben, tout se passe super bien, hein. Heimdall a mangé la poussière et pas qu'un peu. C'était assez violent. Et du coup, le sauvetage se passe bien. Bonjour! C'est quoi ça? Pourquoi Atreus est à terre? Allez, testons le glissement de terrain. Ok, franchement ça a l'air pas mal. C'est plutôt stylé. Ah merde, je me suis gouré. Il faut que j'attaque avec l'autre, lui. Avec les lames. Éternellement.
Oh là 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 là. Putain, le combo final était magnifique, hein. Je les ai enchaînés à la perfection. Je vais le porter. Pardon ? Je peux très bien. Tu ne peux pas. Maxime qui dit le tueur de masse est là, exactement. En avant ! La visite derrière. Oh là là, laissez-nous tranquille. Oh non. Ça va. Droit devant. Oh, sérieusement? Oh là là. Les coups, mon grand. Bonjour, je suis Atreus. Tu vas bien? Bonjour. Non. Approche-toi. Allez. Ah, génial la mise en scène. On y est bientôt, non? Continuez, nous sommes presque à l'arrivée. J'ai envie de vomir. Où est le bateau? Lance-le dans la rivière. Dépêchons-nous, ça ne les arrêtera pas longtemps. Skizblasny, le bateau de Frayeur. Ils vont se rassembler. Allons-y. C'est presque trop beau pour être vrai, en fait. On a survécu. Je savais qu'il volerait. On a de la compagnie. Dragon. Il y en a un autre. C'était trop beau pour être vrai. Quelqu'un peut m'aider? Ils vont trop vite. Attention. Ah ouais. Toi, je veux devoir utiliser ton épée à la Guts, hein.
plus, l'épée de Guts a été faite pour tuer un dragon. Sacrifice. Wow. Oh putain, le doublé. Respect. En est fini de Birgir? Tu penses qu'il a pu survivre à ça? Il est quelque part à se curer les ongles avec les plumes de la bête. Je le sais, il... Ah. Il a survécu. Nous y sommes presque, Yngvi. Tu dois tenir encore un peu. C'est pas comme si j'avais d'autre choix pour le moment. Lunda, il nous faut du linge et de l'eau chaude. Une racine rouge et... de la cardamine, je sais. Tu crois que c'est la première plaie que je referme? Oh, mais t'as pas de soucis à te faire, hein. J'ai pas touché à tes affaires pendant que t'étais dans tes galères, hein. Oh, bon sang, Lunda. Doucement. Pourquoi tu t'en prends à moi? C'est pas moi qui t'ai embroché comme un cochon. Excuse-moi. Freya, tu veux bien l'aider? Ou même... venir prendre le relais? Reste tranquille. Elle va te stabiliser pour que je puisse t'emmener chez Sindri. C'est là que sont toutes mes herbes. Nous restons ici pour protéger le royaume. Tous les quatre. Vanaheim compte sur vous. Cap sur la maison de Sindri? Où qu'elle se trouve? Ton bateau. Non. Je t'en fais cadeau. C'est bon, garde-le. Envole-toi. Prends le soleil à son bord. Ça te fera pas de mal. Sois digne d'un dieu Van. Oh. Ah. Il te donne son bateau? Génial. Il ne m'a pas laissé le choix. Parce que c'était nécessaire, pas parce que c'était écrit. Mais c'était pas écrit, non? La prophétie dit que le Galarorn sonnera le Ragnarok. Quoi que cela implique. J'ai fait des recherches dans la bibliothèque d'Odin. A priori... Non, Atreus, nous parlerons en privé. Mais ouais, mais du coup, c'était pas écrit, non? Enfin, après, peut-être qu'on sait pas quand Kratos est censé mourir et que c'était pas forcément à ce moment-là. Je sais pas. Qu'on peut faire. Bon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Bah, je crois que c'est tout, hein.
Oula, Atreus. Ça va? Que fait-on maintenant? On se cache. Ah, ils sont d'une voix réunie. On se repose. Et puis on reprend le combat. On a trouvé le journal du consul. Merci, Kratos. C'est précisément ce que nous espérions. Le consul a risqué le pire pour comprendre les erreurs de nos ancêtres. À présent, ces leçons subsisteront. Merci, Kratos. Les elfes ne l'oublieront pas. Nous n'oublierons pas. Ils ne risquent pas de oublier le sang versé depuis tout ce temps. La paix existe pour chacun d'entre nous. Personne ne dit qu'il sera facile de l'atteindre. Bon, eh bien, je pense que c'est l'endroit parfait pour terminer cet épisode. Avec le chien. Peu avant votre retour, Elka a filé. Nous devons décider s'il nous faut abandonner le camp. L'ennemi a pu découvrir son emplacement. On ne m'a pas suivi. Si je suis sûr d'une chose, c'est bien de ça. Bah, je pense que le meurtre d'Heimdall ne sera pas sans conséquence. Hein. C'est clair que ça va énerver Thor et Odin. Mais quoi qu'il en soit... Tout sera nos yeux dans le ciel. Trouve où leurs forces se sont dispersées. Je vais m'assurer que les pièges du périmètre sont toujours en place. Et depuis quand le Seigneur Freyr t'a-t-il nommé chef? Jamais. Et je ne veux pas l'être. Seulement, quand j'ai un conseil à donner, je ne peux pas m'en empêcher. Mon amour, il a appris au Seigneur Freyr tout ce qu'il sait. Il ne m'en faut pas plus. Je sais. Pardon. Je suis fatigué. Nous le sommes tous. Reposons-nous. C'est bien. Reposez surtout vos voix, comme ça je peux faire mon outro tranquillement. Bon, et bien du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé et je vous donne rendez-vous très prochainement pour le prochain épisode afin de continuer cette aventure sur God of War Ragnarok. N'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner sur Twitch, sur YouTube, partager la vidéo et aller voir dans la description les liens qui y sont présents si ça vous intéresse. Dans tous les cas, moi je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos et de prochains lives. C'était Corbel, out.